tardé à commencer. Mais Dieu a fait que, avec les reports, on a pu avoir notre effectif. Donc, c'est difficile tout le temps en début de championnat. Mais avec les matchs qui suivent, tout va rentrer dans l'ordre. On est en train de rectifier, on est en train de former une équipe. Il y a des nouveaux, donc tout ça, ça va venir avec les matchs qui suivent. Depuis trois mois maintenant, nous avons démarré les entraînements. Chose qui n'était pas facile du tout avec la maladie et tout, mais quand même on a su gérer l'effectif. Donc on a eu des renforts cette année et nous préparons le match pour aller à Ziguinchor. Le groupe n'a pas beaucoup changé, tu vois. Donc on a de nouvelles recrues. Bah, elles se sont vite adaptées, voilà. L'ambiance est là, le courage est là, la détermination aussi est là. Oui, cette année, on a décidé d'essayer de faire une très grande équipe. De renforcer l'équipe, on l'a renforcée avec 4 à 5 joueuses, 3 maliennes et une joueuse qui vient de Rai, donc qui était à Mbour, pour au moins essayer de jouer les grands rôles. Sur les 2 ans, à chaque fois, on essaie de renforcer l'équipe, de chercher des joueuses de haut niveau. L'objectif, c'est d'être dans les 4 meilleures équipes. Il y a des internationaux, des maliennes et tout. Il y a Mamissène qui était en France, qui est revenue, les Fadmbaye et autres. C'est tout à fait normal qu'on puisse renforcer l'équipe pour jouer les grands rôles. Je pense que pour cette nouvelle saison, on fera le nécessaire, Inch'Allah, pour titiller les grands, comme on dit. C'était pas difficile pour elles de s'adapter. Voilà, donc on les a ouvert les portes. On peut dire que nous sommes prêtes pour aborder. Voilà, donc on s'entraîne tout le temps, on se bat. Voilà. On a des ambitions, jouer les grands rôles, ouais, participer au final. Prendre toutes nos chances parce qu'on a vraiment une équipe qui peut prendre quelque chose. C'est un peu difficile, mais quand même on essaie de gérer quand même. Avec l'équipe qu'on a, avec tous ces talents et ces jeunes que nous avons, on fera le nécessaire pour atteindre nos objectifs, Inch'Allah. Juste communiquer, créer une entente. Puisque c'est pas facile d'avoir de nouvelles recrues, je travaille jour et nuit pour ça. Et j'espère que Dieu va m'aider à atteindre cet objectif, Inch'Allah. Donc pour la saison 2021, je dirais que chez les garçons, on essaiera au moins de se maintenir. Parce que nous sommes à notre première saison. Bon, chez les filles, jouer les grands rôles.